mutamu mo graw lu bes dañ ko bëgg té duñ ko xol sonko fan la joggé fan la jëm Casamance la dem rebel yépp la wo ñom la défal añ dem. Cette sortie de Moustapha Cissélo a provoqué la colère des populations et autres acteurs politiques de la région de Jigenshor, localité qui a abrité le week-end dernier le meeting du plus jeune candidat à la présidentielle du 24 février 2019. À Jigenshor, la Vision citoyenne, par le biais de son coordonnateur, est montée au créneau pour regretter cette sortie du député Moustapha Cissélo. Madia Diop Sané. Cissélo n'est pas une référence. Et je pense que la plus pure bêtise que la CDA a commise, c'est de prendre un psychopathe comme Cissélo pour le mettre président de la commission parlementaire de la CEDEAO. Je pense qu'en réalité, on doit voir les gens, on doit voir le profil des gens qu'on doit prendre, même pour notre parlement, le parlement sénégalais. Si cela n'est pas digne de confiance, si cela n'est pas digne d'un respect, il faut centrer les débats. Il faut centrer les débats. C'est pas parce que Sonko, il est de la Casamance, que Sonko n'est pas un Sénégalais. Sonko, il est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Donc quand on parle de Sonko et des autres, on ne doit pas permettre aux gens de parler de rebelles. Qui est rebelle? C'est parce que le plus grand rebelle au Sénégal, c'est Cicelo, que lui qui l'en fait, en fait dans la discrétion, qui en fait dans les injures, qui ne sait même pas tenir un langage responsable. Si... Joint par téléphone, un des responsables de la mouvance présidentielle, en la personne du docteur Ibrahim Mendy, pense que la sortie du responsable Cicelo n'est pas opportune dans le contexte actuel. Je suis persuadé que le président Macky Sall n'a rien à voir avec cette déclaration. Le sachant quelqu'un de très poli, qui a beaucoup de respect pour la Casamance, il ne peut pas cautionner ce genre de déclaration. Tous ceux qui étaient venus au meeting sont des rebelles. Je pense que la rébellion est une question très sensible dans notre zone. Et il faut éviter à mêler cette question à la politique. Ousmane Sonko, devant une foule acquise à sa cause le samedi dernier à la place Bambaya de Jigenshor, avait tenu à apporter cette précision de taille. Je suis de la Casamance, mais je suis de partout du Sénégal par la grâce de Dieu et vous le savez. Je suis un trait d'union entre tous les Sénégalais. Et ça, c'est un don de Dieu, j'en remercie Dieu. Ça me permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas plus Sénégalais que moi. Que je ne me réclame pas d'une région, je ne me réclame pas d'une ethnie, je ne me réclame pas d'un village, je ne me réclame pas d'un quartier. Je me réclame de tous les Sénégalais. À Jigenshor, cette sortie du responsable apériste Moustapha Cissélo est diversement appréciée. Si d'aucuns pensent que c'est la nature de l'homme, l'écrasante majorité par contre soutient que Moustapha Cissélo est allé trop loin et qu'il mérite d'être entendu par la justice sénégalaise. Jigenshor, Amadi Khalilou Yemé pour la radio-télévision Wolfadjiri.